Mes amis, net 5 secondes, mélangé avec bandit titanien, envahit encore une fois moun kap viv dans Canaran, dans sous matla, dans Lafitou. Sortant de ya, bandi yo boule kay, yo touye moun, yo fait un pile kade Jacques sous tifi avec femme, et gen yon membre Kazek sous matla, li mouri. Après elle t'est fini tomber dans couri pour gang patchwel dans sous mat là bah là vraiment terrible dans moment m'a parlé avec nous là et il y a trois trafiquants de drogue dans la Tibonite qui joignent arrestation plus précisément dans localité Tibouadom dans commune Gromone et drogue ça qui ont transporté et bah combien millions de goud non bah ça va coûter pour bon tout détail et il y a 10 millions de dollars américains c'est l'agence ça Haïti recevoir pour capable reconstruire l'hôpital général 10 millions ça y a metté sous quoi qui était là déjà c'est agence française de développement vie avec USAID qui bail Haïti l'agence là et m'a regardé ministre santé publique là monsieur sourire jaune papa monsieur gèlè pral jeune parce que m'te grand monde entrer sous li fort comment nous y est nous souhaiter que nous en forme moi souhaiter que n'a kembe mes amis nèg 5 secondes yo bandi village de Dieu yo nèg yo fait corps ensemble avec nèg titan yo pour capable détruire depuis ses habitants qui a vivent dans sous mat là depuis ces monde qui habitait Canaran depuis ces monde qui habitait dans zone Lafitou dans la nuit 7 pour entrer 8 mois ça bandi exam font sel déclenché dans zone sous mat là dans zone Lafitou mes amis tout monde était obligé maré pas ça t'ai chance oui yo était obligé maré paquet yo garder sur calage pied yo pour bandi pas tuer yo. Et selon zanmi nous qui l'autre boa nous gen en pile moun proche nous qui a vivre dans localité si la yo moun sa yo témoigné bay ti nèg dans chouette la mes amis parole mjoine pa gen bouche pou m da parler est-ce qu'on connaît nèg yo violé depuis ces femmes qui yo joine en dan kayo nèg yo mette toute femme sous ligne pour faire cadre Jacques sou yo en parlant de nèg borgi yo mélangé avec nèg 5 secondes l'aime parler de borgi c'est tout ça k'ap géré base li nan titanien. Est-ce que vous comprenez? Nèg yo font sel pote bourré mes chers amis sou moun sa yo depuis ces femmes yo je pa konn ti moun grand moun pa épanier nèg yo fait cadre Jacques sou tout. Et après ça, yo flanke yo de yo, sa gen tan jwenn chance pou yo sauve pou yo. San gen pil moun ki mouri tout, mba gen yon chiffre exact, mais yo di gen pil moun ki mouri kan grenen, gen pil kay ki boule mes chers amis. La vraiment compliqué, la vraiment drôle, nan min m'a parlé avec nous là parce que en pil moun, yo di nan sou smat la pa gen moun ki rete encore tout moun APC jouer coin bay nèg yo zone nan pou yo kapab taye manda fè yo sa yo konnen nan zone nan. Yo dit dans la fito c'est même bagaille là tout moun nan kanabo balaté toujours comme ça nan Canaran mais yo te dit moun Canaran yo te gen passeport qui parce que c'est bandi Canaran te kon fait mauvais acte sur national numéro 1 mais journée jodi a nek titan yo dit bagaille comme ça nek titan ici là yo et m'a rappelé nous bagaille ça tendance ça qui vient développer dans sous mat là dans la fito est-ce que comprendre dans Canaran c'est depuis après la police te fin jouer chef gang sous mat là. Est-ce qu'il rappelle nous? Et il y a un pile monde qui dit "Woy, depuis la police tué chef gang si là, nèg bog yo nèg titan yo pral envahi moun sous mat là." Et bien, selon information que me gagne, selon information que me joigne, mes chers amis, bogi, monsieur dit sans passeport qui pour moun qui habite dans zone sous mat là, li sans passeport qui pour moun la fito, li sans passeport qui pour moun qui habite dans Canaran. Raison simple, c'est parce que les chefs gang ça non l'échappe moi gang ni non le patron important parce que ça pour me dakembe dans mémoire mais sous comprendre et bien les monsieur était présent dans zone ça yo et bien monsieur était contouyer en pile soldat qui sorti dans titanien monsieur était toujours font façon monsieur était capable dire c'était un poison rat qu'il était représenté pour nèg borgi yo qui nous borgi qui c'est chef gang troupe là lui fait connait c'est 100 soldats li OK nek sa on bon que la police te tué en parlant de gang après te tué dans sous mat là gang on monsieur te manger en pile nèg pour borgi bien borgi fait qu'on est 100 nèg yo qui l'a venger sous habitants qui habitait dans zone sous mat là et ça pire là nèg 5 secondes yo c'est poisson crasé dans bouillon ensemble avec nèg borgi yo
et nèg sa yo passé sous la mer pour capable vinn commettre dégâts et nèg yo fin commettre tout dégâts yo zo prend après ça yo prend chaloupe yo zam à la main et puis yo prend route la caillou qui c'est village de Dieu rien pas arrivé et m'tendé gen quatre côtes haïtiens m'a mandé côte bagaille ça passer m'tendé gen après une cinquantaine police qui t'a pral intégrer bagaille ça m'a mandé est-ce que bouger ça toujours là ça important parce que ça cap passer actuellement là yo dans pays d'Haïti yo provoquer crise zo prend ça cap passer là en vérité mes chers amis l'obtendé yo yo bail la peine yo provoquer comprendre blou danger à la compliqué. L'autre détail, l'autre information, la police dans la zone Tibouadom, dans la commune et Gomon, mes chers amis, arrivé mettre en bas code trois trafiquants de drogue. C'est comme ça que dit et ça m'a bail. Et bien, moun sa yo comment yo rele, parmi yo gen yon famille, un petit grand moun. On prend li entre dans l'âge, et se reprend m'a garder ça son personnage pour moi-même. Ba konnen si la prend pose grand moun dévergondel, bon quand même ça pour moi ça son mami. Est-ce que là? Et bien, la police qui a arrêté Mounsao qui gen comme nom Aldoner Destiné, Emmanuel Sugni et Vertilus Celicia. Yo prend Mounsao parce que yo identifié en tant que trafiquant de drogue, yo t'a transporté 503.75 livres marijuana dans 23 gros sacs dans un pick-up Toyota rouge qui gen comme plaque TQ 15981. Yo était en direction département nord-ouest et yo sac tenant sac parlant de marijuana yo selon la police yo fait konnen li évalué avec une somme de 22,668,759 goud. Bati l'argent non? Ils ont comprendre ça yo t'a porté que c'est marijuana oui. Et ben m'a rappelé nous moun sa yo nan gadavi jusqu'à présent et grâce avec nouveau directeur départemental la Tibonite la commissaire divisionnaire Jean-Brice Mirtil, c'est monsieur qui est capable de exécuter nouveau plan sécurité police nationale là mettez sous pied sous leadership DG France LB nek sa pa manje rien qui fret. Et sou comprendre pour capable tabli sécurité dans la Tiblo et dans la Tibonite. Et ça grave là dans déclaration nouveau directeur départemental la fait dans zone ça vient. Ça te gen 5 temps avant que nèg yo même yo te vin tan men opération ça dans la Tibonite dans localité Tibouadom dans commune Gomon avant de vin prendre trois trafiquants drogue si la yo et bien genyen monsieur Bruce Mass et Bruce Mirtil pardon qui te fait une déclaration concernant gang ça vient yo il dit nèg yo tout autant c'est lui même qui dans tête direction départementale si la tout bandi net tout monde qui dans mauvaise affaire tout monde qui dans zinglé do tout monde qui gen droit long yo gen youn nan 3 m sa yo pou choisi c'est soit yo maron c'est soit yo mare yo c'est soit yo mouri c'est ça commissaire divisionnaire Jean-Brice Mirtil li fait konnen mes chers amis et après ça t'a pral genyen intervention ça qui t'a pral mener avec arrestation trois trafiquants si la parmi yo ontiman mi est-ce que comprendre m'a regardé suite avec arrestation ça que la police t'en met gen en pile moun k'ap di ah nous la gen Joël Kaoli et puis nous kembe moun ça pour un petit paille pour un petit tabac mais m'ap di ça clair c'est pas gen si tire pas ka gen voler gen quelques bagaille kounia même faut commencer pas accepter yo nèg yo libéré Joël Kaoli on yo toujours dit la défaite du droit est toujours provisoire nous tout compte ça on jou kou gen pays tout bagaille après prendre en place yo. Zon pren nèg la bay 3 millions goud yo libéré le bagay, c'est nèg qui gen kòp fòl gen zam la. Yo vin avec tout prétexte tandis que tout zam yo illégal. Zon pren pal pran mal et puis pou n'ap pran mal pou mal. Non pa gen bay comme ça. Moun lan komèt on infraction, la police arrête le c'est fini. Est-ce que vous pile pay sèche si la yo, nous connaît très bien son infraction qu'elle dit depuis la police croise avec lui. Fò yo maré ou pa vin ap fè vie commentaire pou n'ap di nous libéré Joël Kaoli qui gen soupçon comme moun ki nan drogue, qui wan et puis nous prend trois moun sa yo k'ap pran ti pay, on prend ti tabac yo. Non, pa la gèl konsa mes chers amis. La police procède avec arrestation moun yo, c'est fini, c'est ça information li même lié. L'autre détail, l'autre information pou m'ba nou, moi c'est ça qui fait qu'elle content, mais quand même on côté la fait crier parce que les nous estimer comme ça, yo pa le fò aucun bagaille vrai, c'est n'importe nèg yo ka rentrer si tout nèg ki nan santé publique yo. Est-ce que vous ministère de santé publique, tendez bien. Gen 10 millions de dollars américains. Si l'agence ça Haïti recevoir. Haïti gen comme ça pour capable reconstruire l'hôpital général. Pas oublier tes gon premier l'argent que t'es là pour te construire l'hôpital général et budget. On capable dire que on te mettre en place. On bonne l'argent que t'es disposé pour te construire l'hôpital général, t'es capable nous après l'hôpital en santé bien normal, bien équipé. Ils ont prendre pour montrer nous. Ben agence française de développement via avec USAID longer
bay en présence des ministres santé à Tigran moun nan moi monsieur pa fin tout en forme même moi la souri depuis après fin tande chiffre là 10 millions de dollars américains nèg yo recevoir là pour finaliser ou même dire finaliser non pour reconstruire l'hôpital général et pas oublier l'hôpital là déjà t'est déjà reconstruit yo t'est campé travail là m'pa konn pour qui raison même pa konn suite avec 10 millions de dollars ça qui déjà nan main l'état haïtien qui déjà nan caisse l'état pour projet a capable finaliser m'pa konn est sur pral remettre main dans l'hôpital général qui t'est écrasé depuis après tremblement de terre 12 janvier si même moi m'pa fait me défaut en tout cas c'est ça l'info n'a suivre pour regarder évolution yo parce que gouvernement ça capable dit ça yo recevoir en pile million. Si on prend le gouvernement Ariel Henry a recevoir un pile million dans bagaille 14 d'août qui passe dans on prend tremblement de terre et dans grand site là yo recevoir un pile l'argent pile million son mande bien on agence a fait donc ces millions des millions seulement au parler et n'a regarder qui ça qui trace l'agence là yo et m'a demandé avec mon ILCC yo li me projecte nous parce que gen l'argent dans caisse l'état pour capable finaliser quelques projets et n'a regarder si et seulement si nèg yo apprécie respecter tête yo une fois pour toutes pas la compliqué yo le petit nèg entreprendre là voir information qui vini et nous comment yo y a utilisé yo tout ou gen comment on question ça et blendé ça yo qui sorti dans pays Canada ça va gen longtemps gen yon qui était en panne dans zone savane pistache là et ou pensez yo approprié pour cadre mission ça yo évidemment que non et pour moun ta sortel pour ta comprendre que moyen ça yo ta permettre ou résoudre problème là en fait pas sort obligatoirement ou gen pas connaître tout par exemple on matériel blindé et bon moun qui est extrêmement sincère c'est ambassadeur Carrier ambassadeur canadien là te gon pile Paul en puis te commence à faire mais il te dit de manière très claire mais bagage ça que nous commander il va pas permettre nous résoudre problème nous gen là. C'est pas des blindés à tourelle que nous acheter et même le nous t'acheter des blindés à tourelle on blindé il gagne deux rôles sur le plan technique les grands rôles d'accompagnement et d'écrasement les permettre de débaliser une zone mettre une désordre généralisé quand même qui en face ou pour qu'à permettre aux troupes à pied de monter faire le nettoyage. Blindé a pas qu'à résoudre problème par lui-même pas qu'à comprendre un monde qu'à mettre en tête tout. D'ailleurs, blindé, il a pris ça au blindé. C'est pour protéger les gens qui sont dans là. Cela veut dire que les gens qui sont dans là, dès qu'ils sortent de blindé, ils sont vulnérables. Donc, il n'y a pas besoin de blindé. Si pour les gens sortent dans là. Donc, on est guéri dans le blindé, ça tombe à tirer et puis il a pris le problème, mais ce n'est pas vrai. Dès que blindé a déplacé le problème, il a pris tout dans la même place que l'IA. On ne peut pas demander à la police de résoudre des problèmes de territorialité. Tout technicien compte ça. Parce que la police connaît son travail, la police fait son travail. Premièrement, l'anticiper. Deuxièmement, elle arrive à anticiper Zakla posé. Là, elle cherche les gens qui posent Zakla. Qui ça fait? Il prend les gens qui mènent la justice. Michel préfet. On va demander pour le rester 24 heures sur 24, 365 jours là, non, il se passe côté là, sécurisé. Non, ça ne se passe pas comme ça. À moins que mon nom de mauvaise foi, ou bien mon nom pas connaît de qui ça l'a parlé. Mais ma boue du matériel, ça a été commandé. Moi, j'ai toujours dit lui, ambassadeur canadien te dit, il te gain raison, son vérité te dit, matériel, c'est ce que nous commandons à pas capable permettre nous résoudre petit problème que nous avons. Moi-même, si vous demandez, bon, moi, je vais acheter un demi-blindé. Je vais acheter un demi-blindé du tout. C'est pas qu'il faut. Il y a un pile l'autre matériel qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus efficace, qui capable permettre de résoudre le problème. Ça. Maintenant, est-ce que la police ou bien l'armée a besoin de blindé? Oui. C'est un matériel qui a un rôle du point de vue opérationnalisation sur le territoire. Sinon, il va t'en faire. Mais il y a un rôle, mais pas un rôle que nous mettons à faire là. Donc, colonel, ou peut-être attendons et question ça repose déjà dans plusieurs émissions. Allô? Oui, vous attendez nous? Allô?
On a perdu contact. Allô? Oui, colonel, nous entendez nous? Je suis au point de contrôle là-bas. Hein? Allô, colonel? Oui. Ok. Ok. Pour le moment, c'était bon côté nous. Oui, moi, donc, question ça que m'a posé là, qui ont dit comment des proposos, probablement, ou joindre les déjà, et que proposos les déjà, puisque, ou même comme monde qui était dans l'État, ou t'es secrétaire d'État sécurité publique, concitoyen qui dit, ben, des colonels là pour nous. Combien de monde était arrêté qui t'a commettre mauvais actes dans le pays en un moment le secrétaire d'État sécurité publique, et pour qui ça pas arrêté monsieur PHT Kassayo qui a toujours dit c'est eux qui a financé gang yo dans le pays. Bon, mon n'a pas besoin de partenaire, il dit secrétaire d'État sécurité publique le 12 août avec mission pour me sécuriser les élections et qui était gain pour fête dans le mois de novembre vers décembre. Et ça a été fait 5 sur 5 sur tout le territoire. Pas de un bureau de voix. Il y a un monde qui a envoyé Wash sur eux. L'élection a été faite. D'habitude, nous connaissons les élections après en Haïti. Toujours gain marché tiré 3 ou 4 jours avant, jour vote là, envoyé Wash sur le bureau de vote, à le tirer, etc. Et pour le secrétaire d'État sécurité publique, il n'y a rien de vouloir arrêter le monde. Si le monde ne veut parler de Bali Kounet ou bien de Bali parler de Bali Pakonet, il y a un rôle, il y a une mission bien précise. Et mon cas, c'était prendre en charge le dossier des élections. Et m'a profité de mes cours encore pour me présenter, pour me remercier encore une fois au président privé, qui était même totale autorité sur la planification, sur l'exécution de la sécurisation des élections, ce qui a été fait. Et qui était fait, malgré la présence en pile conseil étranger qui était là, eh ben, il avait soumis les décisions du gouvernement à avis que je gagné pour me débattre sur toute planification qui était faite pour sécuriser l'élection. Et une fois en Haïti, l'élection était faite, je n'ai pas de bureau de vote qui était tiré, qui était voué, wash, etc. Parce que je suis allé exactement côté problème, dans le cap Zodia, et je suis neutralisé, c'était ma mission, je l'ai accompli, je n'ai pas de mission, je suis arrêté, mon à gauche à droite. Et je dis à nous, on CSPN, colonel Rebu, avec toute structure de représentant, toute structure de sécurité et pays. Et pourtant, nous pas joindre minimum et ça, et dans la situation que nous y est là. Et je dis à vous, t'es parlé de compétences, problème de compétences ou incompétences. Est-ce que c'est ça, on va expliquer qui ces résultats incompétences là? Bon, pour une compétence, non, c'est d'abord faut une volonté pour résoudre le problème. Non. C'est quand on m'a appelé, m'a pour reprendre l'exemple encore. J'étais conseiller à la sécurité nationale au cabinet du président privé. Il dit moi, ah, conseiller, bon problème, nous gagnons l'élection, il faut que nous réalisions dans les meilleures conditions. Même qu'on gêne, ou des ministres. Position pour t'occuper, il faut t'occuper en position de secrétaire d'État pour qu'à résoudre le problème de sécurité élection. Je dépose une question, je dis président, est-ce que son job va ben moi ou bien son mission va confirmer? Si son job, je ne suis pas intéressé par ça. Si son mission, même si c'est au grade de caporal, si je pense que c'est moi qui vais l'exécuter, et si je pense que c'est ma carte faire, m'a accepté et je vais faire. Ce qui a été fait. Maintenant, par exemple, il y a parlé de. C'est un gros problème pays à gain. Ils ont résumé tout problème sécurité pays à en fait CSPN. CSPN qui s'allie, son conseil qui là, d'ailleurs, il vient de la police nationale. Or, la police nationale, c'est un élément de la sécurité du pays. C'est une entité qui mal conçue. J'ai mis là. Et puis, il y a des pouvoirs surdimensionnés. Et, par exemple, l'ombre CSPN réunit. On prend Jodia. L'ombre de Ariel Henry qui dit que c'est premier ministre ou bien qu'il a fait fonction et de premier ministre sous forme de cas de raquet. On est qui ministre de la Défense. C'est docteur Enol Joseph qui est l'autre docteur.
et ou gen ou l'autre nèg bonjour Kounia, son femme qui ministre de la justice. C'est trois gros chefs ça yo et puis ministre de l'intérieur. Ces chefs ça qui réunis et avec qui est-ce avec commandant en chef de la police là et puis mon qui responsable avec discipline inspecteur général et qui bagaille. Bon. Le détecteur ça dit on va y pas ça. Mon ministre qui a fait qu'on est. Il n'y a pas de compétence pour ça. Maintenant, il y a des conseillers. Mais si vous avez des conseillers, vraiment, avant tout le monde, qui est-ce qui a conseillé le premier ministre en matière de sécurité nationale? Et puis, on ne peut pas poser un problème de sécurité en pays, et puis vous dites la police. Problème de sécurité nationale, je vous dis, qui est-ce qui est dans le système de sécurité nationale pays qui a géré la production alimentaire? Cap gérer la qualité des aliments qui sont sortis à l'étranger pour entrer dans le pays. Est-ce que mon cap dirige pays connaît premier facteur de sécurité en pays, c'est système d'approvisionnement de production alimentaire et système de circulation, de libre circulation et de qui ça mon a mangé. Est-ce que mon qui là yo connaît que premier élément de sécurité en pays c'est qualité d'éducation qu'on bali. Et qui gens ont formalisé le commerce, la libre circulation des citoyens. L'emploi. Premier facteur, c'est un facteur sécurité au pays, c'est qui sont fait pour gagner investissement, pour capable gagner emploi, pour gagner capable accès au travail. Car si ça n'est pas fait, vous allez gagner désœuvrement, et vous allez désœuvrement, le vice, c'est lui-même qui va mener tout les autres qui dans le pays. C'est ça qui est l'infrastructure de sécurité nationale au pays. Je veux dire, nous vivons un bagage aujourd'hui, un problème. Est-ce que mon cap dirigé connaît que les produits pétroliers, c'est un des premiers facteurs de sécurisation au pays? Par exemple, vous voyez les États-Unis, chaque fois qu'il y a un problème au niveau mondial, où elle parlait de stock de réserve. Qui bon mon cap dirigé connaît pour stocker une réserve pour stocker pour si bon problème au niveau du monde pour gagner 6 à 7 mois pour capable marcher en équilibre en attendant il résout le problème de fond. Donc grand pile monde qui pensait depuis on parler de sécurité c'est monde qui a tiré c'est monde qui en uniforme ce n'est pas ça. La sécurité nationale est une chose. Le travail de la police même l'armée c'est une partie de la sécurité nationale à gérer. L'armée pas gérée, par exemple, qui sont comme service d'intelligence et de contre-intelligence en Haïti aujourd'hui? Qui sont comme service de renseignement à la tête de l'État? Et les services de renseignement, qui quantité l'argent que vous baillez ou entité dans le DCPJ? Parce que, premier jeu, la police a gagné pour l'anticipation des crimes. C'est DCPJ. Qui quantité comme DCPJ gagne, qui quantité comme la police gagne pour faire renseignement. On va jouer un 2-3 vicieux, incompétents, c'est eux-mêmes qui gagnent toute masse comme là-dedans, pour qu'ils fassent tripotage. Parce qu'ils n'ont pas préparé pour ça, ils n'ont pas connu ça à faire. Donc tant que nous ne mettons pas les gens qui connaissent en place, que vous faites pour eux. Et leur film mettre un nouveau système de contrôle sur eux, est-ce qu'ils font travail vraiment? Parce que le système de renseignement, ce n'est pas facile quand on est capable de mettre notre tête ou capable de lever l'argent et vos lois pour faire tout ça. Parce que vous n'êtes pas capable de mettre sur la place publique des agents que vous utilisez en matière de renseignement. Mais l'État non plus pas capable de faire quoi pour vous utiliser comme là sous le nom du renseignement et puis vous n'êtes pas capable de faire travail. On a fini l'interview au matin, mais déjà un an, presque six mois, depuis Ariel Henry avec toute équipe liée à notre tête pays. Sous ta mando pour présenter un bilan de gestion, un an, six mois, ça, pour équipe ça, ou t'as dit qui ça? Bon, je vais prendre phrase que mon chef gouvernement a dit, le moment arrivé pour le faire. On n'a pas gagné. Donc, tout le monde bilan là. Nous avons plus de monde qui a mouru. Nous avons plus de monde qui n'a pas capable de vivre la caillou. Nous avons plus de monde qui est dans le désespoir. Et ils ont poussé nous dans une situation que nous presque pour nous plus qu'on parle au bandit que nous avons dirigé.
Merci à vous, colonel Rebu. C'est moi-même qui remercie. Bonne journée à tout le monde et que personne ne va perdre espoir. Colonel Emile Rebu était invité nous matin sous antenne Caraïbes FM. Et pendant temps, ça a guerrier, situation était compliquée dans sa vente pistache. Bandit Grand Avignon attaqué hier, dimanche dans pile, famille abandonnée. Caillou, bandit, ont mis du feu là-dedans, dans le couloir radio à nous gagner. Il y a une famille qui a perdu tout ça, li gagné. Et petit Lyonbo, lui-même, Lyonbo, il a li avec nous, nous allons parler avec lui tout à l'heure. Mais conséquence, bataille ça qui reprendre sa vente pistache là, fait sentir sous distribution courant depuis hier, toute zone Boïsien jusqu'à Bourdon, sans courant en raison de un fil électrique qui tombait et dans la zone et qui alimentait toute zone. Ça nous parlons pour nous parler avec Yon, directeur LDHE, concernant situation ça, situation qui compliquée. Mon Dieu, par contre, qui simple pour yon, relé en pile moun a couru quitter le pays a en pile moun dans la tourmente, mais c'est occasion tout côté artistio yon a inspiré de situation ça et à travers production yon, musique yon, yon fait quelques propositions et nous gagne avec nous un jeune justement qui gagne une très belle musique, il fait sortir côté, il exprime sous situation ça qui gagne dans le pays a particulièrement dans la question et bandits qui a pris plus espace, donc nous avons plaisir et c'est avec plaisir d'après ce voile et matin. Mais d'abord, guerrier n'a pas écouté musique là en façon pour nous respirer en attendant nous capables de parler avec lui pour nous poser quelques questions sur motivation, sur comment lui-même la vive situation pays qui était poussé les produits musique ça qui c'est un reflet de situation pays à région métropolitaine Port-au-Prince à vivre des jours ça en raison de gangs qui continuent à prendre territoire tant que j'ai eu tant fait hier sous Savane Pistache n'a côté musique ça n'a tourné.
mais certainement. Mais la musique, ça, on dit Ariel, Ariel, Ariel. Donc, c'est pour vous, Ariel qui vit ta problème, non? Oui, oui. Mm-hmm. Donc, alors, moi, je salue chaque monde qui a écouté et moi, je salue tout PDG Radio-Rang. Donc, c'est un plaisir pour moi, écouter pour moi ensemble avec nous. Mm-hmm. Alors, justement, par moi, de crise pays nous a pas duré. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire pour me écrire et musique ça. Donc, ce n'est pas une seule musique côté que nous écrit, mais c'est un album musique côté que nous qui écrit. Donc, nous avons déjà gagné deux graines nous enregistrer parmi l'album. Non. Donc, c'est une façon pour nous capables de côté pour nous joindre un soulagement au niveau de ça qui est passé dans le pays. Mm-hmm. Donc, c'est tout un plaisir pour moi et puis pour nous capables de passer dans la radio. Mm-hmm. Donc, et pour nous capables de continuer notre travail ça, nous capables de aux gens qui nous enregistrent musique ça, nous faisons le style marketing. Donc, en pile monde reconnaît nous habitués monter bisio et puis passer musique là, et en façon pour nous capables enregistrer reste musique ça. Donc, c'est comme ça que nous sacrifions nous notre travail ça, parce que ça cap passer au niveau des payants, il vraiment fait nous mal. Mm-hmm. Oui, donc ou là ou comment penser qu'à solutionner problème nous là. Donc et nous essayer quand même pas moyen du message n'a voyé by et chef qui est sous tête nous quand même si toutefois que j'aime qu'à produire yo arrivé relé et puis pour situation ça, nous pensons que nous sommes capables de jouer une solution. Quand même, nous sommes capables de. Donc, vous pensez que texte ou les paroles sont capables de sensibiliser concernés. Donc, sensibiliser, oui, mais tout, monsieur dit tout, il fait travail ça, vous le faites publicité, hein, marketing, pour peut-être les. Donc, en même temps, on va dénoncer, on va critiquer, mais on va chercher une visibilité. Et quitte ton numéro de téléphone et peut-être un monde qui retrouvera à travers musique et qui t'a besoin servir avec vous pour sensibiliser même gens capables aux jeunes dans le travail ça en numéro de téléphone. Oui, alors numéro de téléphone moi c'est 37 87 14 81 37 87 14 81. Merci beaucoup. D'accord. Et là, pour retourner dans sa vente pistage, guerrier, côté situation liée, était compliquée depuis hier, en qu'il monde a pour quitter la caillou après pour déborder ça, bandit, grand avenue fait sous zone là, nous apprenons tout, gagner en pile résistance et char, la police là, d'après elle, vini quelques temps après, et ça permet que les grand avenue reculer, mais toujours gagner une situation tension en royaume, la conséquence. Situation, ça c'est qu'on bon parti dans la zone Port-au-Prince par un courant à cause d'un fil haute tension qui servit 6 sous-stations tombées et techniciens et DHO dans difficulté hein, pour capable déployer dans l'espace là pour résoudre le problème. Là, avec nous, Joachim Jose Davilma, directeur administratif et EDH, et lui a parlé en tant que porte-parole. L'institution. Monsieur Davilma, bonjour. Bonjour Pierre-René, bonjour Guerrier, bonjour à toute l'équipe de Première Occasion. Et c'est un plaisir que m'avec nous matin, mais en même temps, tout c'est avec le cœur endolori pour me dire que ça que fait n'importe du matin là, c'est parce que problème yon vient empirer, c'est qu'il y a déjà un problème, c'est déjà une difficulté, c'est déjà un défi. Mais avec cette affaire d'affrontement de gang rivaux au niveau de Savane Pistache, en dehors de tout ça n'a pas les conséquences, mais la vraie conséquence pour EDH, c'est que nous gagnons deux cabots de tension, 63 et 65, voilà, quand pas nous apprenons ça, nous valons, de 69 000 volts, c'est des câbles qui traversaient par mon hôpital pour porter courant dans 5 sous-stations, sous-station Canapé Vert, sous-station Toussaint Brave, sous-station Carrefour-Feuille, sous-station Martissan, sous-station Rivière-Fouane. Même parler de sous-station, c'est des stations qui recevoient haute tension 69 000 volts, hein, qui convertissent pour arriver la caille, c'est les soirs qu'a servi avec. Eh bien, à cause de deux cabous gagnés, à cause de tirs nourris, à cause de gros âmes qu'a utilisé, ils ont coupé.
Donc là on coupe comme ça guerrier et Pierre Nerlé, là on coupe comme ça, ils ont empêché courant continuer traverser pour l'aller. Donc à ce moment-là, nous avons un paquet de circuits qui viennent pas qu'à recevoir courant. Ma profite de Mounio, c'est pas production pas gagner, c'est pas courant électrique qu'on pas gagner, mais de préférence nous pas apporter le Mounio. Et d'ailleurs matin, matin de Mackenson Rémy, qui a dit que des mounes ou bien des circuits qui a dit que gens vont recevoir courant ces jours-ci. Et d'ailleurs, c'est l'époque de la fête du football, c'est l'époque du mondial. Nous pas de temps permettre nous pour nous pas faire effort pour nous alimenter zone. Mais situation ça qui arrive dans sa 25. Mais plus grave, c'est pas parce que nous en panne, c'est parce que nos techniciens, il y a encore, il y a eu des tentatives pour nous faire ça, nous dire pour nous faire. Techniciens obligés pour courir quitter tellement de tirs qu'a fait dans zone là. Conséquence là, c'est que EDH a profité excusé auprès de la population, que ce soit Mounbaverna, Tujo, centre-ville, toute centre-ville là, au niveau du palais national, au niveau de Chanmas, au niveau de la rue Pavé, Grand Rue, Carrefourfeuille, et Monseigneur au niveau de l'hôpital général, et au niveau de Savonne-Pissage même, c'est que au niveau de Savonne-Pissage, je ne pas qu'à une courant, ou année 93, Carrefour jusqu'à Léogane, et une bonne partie de Delma également, pas qu'à alimenter. Donc lundi, pas qu'à alimenter, c'est pas parce que nous n'avons pas courant, ma propre, c'est parce que nous n'avons pas accès à espace qui est dans Savonne-Pissage. Pour nous réparer. Nous tenter, malgré avertissement, malgré ceci, malgré ça, nous tenter. Hier, nous obligés de rebousser le chemin, bredouille, parce que nous, monsieur, vous payez l'autre bon, vous pas payer EDH, comme dans la sérénité, vous pas permettre nous l'espace pour nous travailler, pour nous réparer. Le cri ce matin, c'est la police tenter tout, la police nationale tenter tout. Maintenant, nous en appelons à la communauté. En général, à la communauté en général, pour permettre que monsieur, joignez très votre yo, pour permettre que vous créez un couloir pour EDH à faire travail. EDH besoin de travail, EDH vrai travail, mais cependant, les conditions ne sont pas réunies. Yo ka toujours élu dans 22-12 pour permettre que, effectivement, EDH fait travail. Bienvenue. Mais bien avant, un problème ça, directeur, et distribution courante est posé problème sur la région métropolitaine. Non, pas qu'on est dans la période de Coupe du Monde, est-ce que nous avons amélioration, mais problème nous, où elle est là, pour alimenter capital.